Salut, c'est Sam. Donc, voici la suite du Let's Play commencé sur Launch Upgrade. Donc, actuellement, nous sommes cycle 225. Là, on n'est pas sur l'extension, hein, c'est bien sur le jeu de base. Salut, Jean. Salut, David. Enfin, 226. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire l'accès au biome magma, au biome pétrole. Parce que le pétrole va être assez rapidement utile, notamment pour évoluer sur le plan de l'électricité. Puisque après le charbon, c'est assez intéressant d'aller directement au pétrole. Le gaz naturel et l'hydrogène, c'est quand même assez limité en début de partie. Donc autant directement aller chercher le pétrole. Voilà, et ça permet aussi d'accéder à d'autres choses qu'on verra par la suite. En marge de ça, on va également faire un deuxième Electrolyzer. Parce que là, vu que j'ai 12 du piquant, c'est un petit peu juste. Lui, il peut me soutenir que 8 du piquant maximum. Aussi, on va se mettre un petit peu de refroidissement là. Parce qu'on voit la base commence un petit peu à chauffer. Alors, c'est pas très grave, c'est normal. Alors, ici, c'est normal que ce soit chaud. En fait, c'est ce biome qui avait été déjà vachement chauffé par la fumerole. Et toute la chaleur s'injecte dans la base. C'est pas gravissime, ça impacte un petit peu les plantations, mais ça va, on est plutôt large niveau calories, donc c'est pas grave. Et ça permet de voir comment on gère la chaleur au début de partie. Salut bout d'atome. Donc voilà, vraiment le plus simple c'est de mettre des plantiflantes. Alors le plus simple pour aller chercher celle-ci. Voilà, là où je n'ai plus. On va déjà aller chercher quelques plantes. En bas, j'en ai une là. Salut Nicolas. Ouais, mais ça on dévoile le biome. C'est une carte assez chaude. Si, c'est que t'as pas assez visité ta carte, David. T'en as une 10 à 15 sur l'astéroïde. Non, uniquement via le. Alors, si tu veux plus de plantes sifflantes, il faut aller faire les fusées. Tu peux ramener des graines via les fusées, mais tu peux pas les cultiver. Mais tu peux augmenter leur nombre via les fusées. Mais pour le refroidissement, ça c'est du refroidissement de début de partie. Après, vraiment, le vrai refroidissement, c'est thermostat plus turbine. Et c'est pour ça que je vais aussi aller chercher le pétrole pour ensuite passer sur des setups thermostat turbine qui nous permettront en fait de refroidir. En fait, les plantes sifflantes dans le via les fusées, c'est useless. C'est une fois que tu es aux fusées, tu as déjà ton setup thermostat turbine qui refroidit tout. Éventuellement, tu peux utiliser la ETN, mais bon. Bonsoir, Anus. C'est assez lourd à mettre en place. Donc, autant rush le thermostat direct. Temporiser avec les plantes différentes. Et après, tu rush thermostat turbine. C'est hyper simple à mettre en place. Faut juste un peu de pétrole pour que le thermostat ne brûle pas. Comme ça, on peut le faire en or. Ou alors tu rushes l'acier. Comme ça tu le fais en acier. En gros, tu as deux. Là, à peu près à ce stade de la partie, tu as deux strates. Soit tu te dis, je vais au biome magma pour aller chercher du pétrole. Soit tu vas vers la surface.
et tu vas péter les vitres de gravitas pour récupérer l'acier. Ou alors tu raffines de l'acier vite fait pour faire un thermostat en acier. Et surtout toujours explorer vos cartes, hein, ça c'est hyper important. Dès que vous êtes un peu stable, on explore. Comme ça justement, t'as pas cette sensation de manquer de ressources. Aussi les maïs pensés cultivés à l'état sauvage. Ça fait toujours quelques calories gratuites en plus. Voilà, comme ça on va vite être refroidi. C'est ouais, c'est vraiment là, le biome était vraiment chaud. Et on va. Alors oui, j'ai remarqué aussi que j'avais une petite erreur sur l'électrolyseur qui bride sa productivité. Là, vous voyez, il y a des petites saccades sur l'oxygène. Alors, il tourne quand même pas mal, hein. Mais on est quand même qu'à 70%. Donc, du coup, j'ai pas de quoi alimenter lui du piquant. Alors, on va le patcher. Non, c'est impossible, Nus. Pareil, si tu l'as pas trouvé, c'est que t'as pas assez visité ta carte. Ouais, tac. Oui, de la pune parce que je ne travaille pas cette semaine. C'est vraiment exceptionnel. En vrai, là, je me fais vraiment chier pour rien. On s'en fiche de. Ouais, remarque, ça va niquer un peu les gaz. Ouais, allez, si on va faire ça propre. Je suis pas obligé de waterlocker l'accès au setup. Parce que c'est pas grave si on injecte les gaz, ça se filtrer. Mais bon, pour éviter de déséquilibrer les gaz, on va quand même faire comme ça. Voilà, là, vous voyez, je suis sous vide. Je casse. Attends. En fait, ça, je peux le casser. Ouais. Ouais, c'est bon. Là, je suis loqué ici. David, bah, surtout aux endroits où ça chauffe. Évite dans le CO2, ça refroidit moins bien. Idéalement dans l'hydrogène. Mais en début de partie, te prends pas la tête avec ça. Hein. Juste mêler où ça chauffe un peu et puis basta. Bah, je vais juste corriger. Ici, j'ai fusionné les deux tuyaux. C'est une erreur. Il faut pas que les deux tuyaux se rejoignent. Voilà, faut bien séparer les deux tuyaux. Après, ça fonctionne aussi, hein. Mais vous allez voir, en termes de productivité, ça n'a rien à voir. Voilà, vous voyez, on a bien les deux tuyaux bien séparés. On va en profiter pour ramasser le bazar. Tu vois, là, moi, je les ai mis ici, parce que la chaleur s'injecte par ici.
Donc voilà, je fais une espèce de filtre de froid. Voilà. C'est réparé. On verra sur l'hydrogène, je vais avoir beaucoup plus d'hydrogène. Et beaucoup plus d'oxygène aussi. Je vais pas complètement tout refermer. Parce qu'on va aller faire l'autre. Donc 6 par 7. Alors, moi je me nique l'accès à la droite. Bon, je peux racler un peu de... Ouais. Je vais racler une case comme ça. Je peux faire un pseudo lock là. Ouais, comme ça on garde un accès par là. Voilà, de remplir de blocs. Casser d'en haut, c'est-à-dire. Pour faire le vide. Ouais, ce que je vais faire, on va construire là. Encore une fois, le vide n'est pas obligatoire dans un setup d'Electrolyzer. Mais bon, ça permet de partir sur une bonne base. Une chlore, ça peut être un peu chiant. Là, vous voyez la différence? Alors oui, celui-ci, volontairement, j'ai détruit d'hydrogène. Et pourquoi celui-ci est légèrement moins performant? Parce que je n'ai qu'un filtre. L'autre que j'ai fait sur Space Out, j'ai deux filtres. En gros, bah comme j'ai expliqué sur mon tuto sur les électrolyseurs, tu tapes électrolyseur sur la chaîne. Sur cette vidéo.
Ah, ça là. Non, j'en passe une ici. Attends, merde. Ah, YouTube filtre mal les vidéos. Voilà, celui-ci. Voilà, donc tu vois, là j'ai fait un comparo. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu filtres, et moins tu freines tes gaz, plus tu as de productivité. Et là, ça se confirme. Tu vois, le fait que j'ai défusionné mes deux conduites, bah, tu as vu, j'explose sur l'hydrogène. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fusionnes tes deux canalisations, eh bien, tu as des petits coups de frein. Du fait que tu ne peux avoir, et c'est grâce à ça que d'ailleurs que le filtre mécanique fonctionne, du fait que sur une case de tuyau, tu ne peux avoir qu'un gaz à la fois, eh bien, quand là j'ai, par exemple, ici où les gaz se fusionnent, eh bien que j'ai de l'hydrogène puis après de l'oxygène, eh bien en fait je vais avoir une sorte de petit stop d'une seconde ou d'une microseconde qui va bloquer ma pompe, et du coup ça fait des micro-coupures. Et ça freine les gaz. Et c'est pour ça que si tu évites de fusionner tes gaz trop tôt, eh bien ça évite les micro-freins. Et du coup, tu pompes au maximum. Et pareil pour l'oxygène, le fait de fusionner les bulles, ça crée des micro-freins. Et du coup, ça limite un petit peu la productivité. Plus tu délaisses comme ça en conduite large, plus moins tu as de micro-coupures et plus tu vas atteindre les 100%. Salut Charcy, c'est pour ça que sur l'autre setup où j'ai deux filtres, eh bien j'avais beaucoup plus de gaz. Voilà, c'est un bridage par manque de place dans le tuyau en fait. Et là tu vois, là je vais frôler. Là tu vois, je suis à 97%. Tu vois, là 90%, j'ai gratté 20% de production juste en cassant le tuyau, juste en séparant mes deux pompes. Tu viens de DL la mage? Sur quoi, ce space out? Il la sort aujourd'hui finalement, c'est pas. C'est marrant que ça me pète autant là que ça. Et là d'ailleurs je me tâtais pour celui-ci à faire. Oh, je pense que je vais refaire un mécanique comme j'ai fait là. Là vous voyez tout l'hydrogène que j'ai gagné? Vous voyez la différence? Donc quelle que soit la méthode de filtration que vous choisissez, donc soit avec. Parce qu'en gros il y a trois modes de filtration. Attends, où est-ce qu'on peut se mettre? Donc soit. Ça, soit le filtre mécanique comme j'ai fait, soit le filtre low cost comme j'ai fait sur Space Out. Mais quel que soit le moyen de filtration, ce qu'il faut retenir, c'est que donc vous aurez, par exemple, vous aurez le choix entre ça et ça. Donc ça. Donc là, après le filtre, peu importe, hein, c'est exactement pareil. Après, c'est juste une sorte d'électricité. Donc ça produit moins de gaz que ça. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Salut, Fridiane. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est pas grave, il suffit de rajouter des électrolyseurs. En effet, si avec ça, on produit que 50% de gaz, eh bien, pour avoir 880. Donc, du coup, aussi, ce qu'il faut bien retenir avec l'électrolyseur, c'est que 888 grammes, c'est quand votre électrolyseur tourne à 100%. Et que vous n'avez pas de destruction de gaz, mais bon, ça, c'est un truc, c'est un glitch, voilà, ça c'est un bug, voilà, peu importe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, si sur 5 cycles, vous n'avez pas 100% ici, alors vous ne produisez pas 888
grammes d'oxygène. Donc vous ne pouvez pas soutenir 8 du piquant. Donc là je suis à 90%, donc là je serai à 800 grammes seconde, donc là je pourrais bien soutenir 8 du piquant, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si vous êtes à 50%, ce qui va être le cas avec ce genre de filtration, eh bien, deux solutions. Soit vous filtrez comme ça, au délestage comme ça, avec des conduites mieux délestées, et là donc du coup, vous délestez mieux la salle, donc du coup l'électrolyseur est moins souvent en surpression, soit vous allez devoir mettre deux électrolyseurs pour avoir 50 plus 50. Donc soit il y a deux écoles, ça c'est pareil, ces deux setups produisent la même chose, soit on met deux électrolyseurs avec deux pompes, un filtre, soit on met un électrolyseur avec deux pompes, deux filtres. Et pour pallier pour ce problème d'électricité ici, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait des filtres low cost, comme j'ai fait ici. Ici, si je voulais encore optimiser le setup, il faudrait que je rajoute un filtre mécanique pour filtrer de façon différenciée les deux tuyaux. Plus vous dissociez vos tuyaux, et plus vous avez un délestage puissant. Oui, mais justement, David, tu as des filtres qui ne consomment zéro électricité, comme celui-ci. Ça ne me coûte rien en électricité. Tu vois, là, j'ai le filtre gratuitement. Donc là, l'argument électrique n'est plus valable. Voilà, c'est bon, on a fait le vide. Donc c'est pour ça vraiment je vous conseille vraiment de délester à mort vos. Évitez de fusionner trop tôt vos évacuations de gaz. Vous voyez, je les fusionne vraiment le plus loin possible pour laisser en fait de la place au gaz en sortie proche de la pompe pour que le gaz puisse s'évacuer au maximum. Ouais, filtre mécanique, ou si t'es pas à l'aise avec ça, au moins filtre low cost. Si t'as la possibilité. C'est pareil, on n'a pas toujours la possibilité de faire un low cost. En début de partie, t'as pas forcément du méthane raffiné, même si c'est assez simple à faire. Tu peux commencer avec un filtre classique et après le mettre à jour. Les setups, ça se met à jour. Hein. Et là, on le voit, voilà, mon électrolyseur tourne quasiment tout le temps. Il est quasiment jamais en surpression. Parce que là, j'ai un méga délestage. Vous voyez? Il est quasiment à 100%. Et là, on est bourré d'hydrogène. D'ailleurs, il va bientôt se bloquer, il va falloir que je déleste l'hydrogène. Alors, j'ai aussi un filtre architectural. Mais ici, qui est dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure. Alors, en fait, ici, j'ai un. Non, ici, en fait, c'est faux dans ce que tu dis. Ici, il n'y a pas de filtre architectural, en fait. C'est le cas sur mon autre setup. Enfin, sur l'autre setup que je vous ai montré. Ici, il y a zéro filtre architectural. Et les pompes, les deux pompes, pompes de l'oxygène et de l'hydrogène. On filtre avec l'architecture que les deux pompes en bas, en fait, ici. Même en détruisant l'hydrogène, je surproduis. Ouais, et ça va bientôt se boucher, mon histoire là. Ah oui, c'était le Francis, le setup le moins optimisé de la Terre. On va faire une méthode un peu à la va-vite. Alors, pour tout délestage dans le jeu, vous mettez un pont comme ça. Francis fait de très bons setups, mais surtout des électrolyseurs, c'est le pire truc.
Ah, ils nous saoulent avec leur famine là. Ah, et des fois, ils veulent pas faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Ah, mais non, c'est visio pas accès en fait. Ça, c'est de ma faute. Voilà. Ok. Donc, vous voyez comment j'ai mis le bridge. Donc, en priorité, on livre ici. Et si ça s'est plein, on déleste ici. Par le blanc. Et ça, c'est valable pour le. Les liquides et les gaz. Ah, puis après, on va se faire l'accès là. J'aurais bien été récupérer le petit morceau de truc là. Voyez, ça va déjà beaucoup mieux là. Ah, le froid va s'injecter. Ah, progressivement, ça va s'injecter là. Ouais, le biome était vraiment très chaud. Hein. Ça fait un peu plus clean. Ah, c'est ça bug. J'en profite pour faire un peu de ménage. Ou pas accès alors. Ah, c'est l'échelle en fait qui est mal positionnée. Ouais, et là, ça va me bourrer mon filtre. Donc là, il faut vraiment qu'on se dépêche. Ça, on va le cut. C'est pas grave pour le waterlock. Ça, c'est le gros inconvénient avec les filtres mécaniques. C'est que ça peut très vite péter si votre délestage n'est pas bon. Voilà. Là, on déleste. Ça nous fait une solution temporaire. Voilà, après, on descendra dans le biome. Bloqué, oui. Non, ça casse pas, ça se bloque. Ça se bloque et ça peut foirer la filtration, donc. Donc après, ça te laisse passer l'hydrogène là-haut, enfin, ça peut mettre un peu le bordel.
Voilà. Ok, ça c'est réglé. Ensuite. Donc là, le petit creux ici, il est hyper important. Sinon, vous allez détruire l'hydrogène. Alors, ça peut être bien, vous le laissez, vous ne le mettez pas si vous voulez pas avoir trop d'hydrogène et pas avoir à le gérer. Ça va juste détruire l'excédent d'hydrogène. Mais si vous voulez avoir tout l'hydrogène produit, il faut faire une petite encoche ici. Parce que le jeu déteste les conflits entre les matières. Ah oui, sauf que... Alors, remarque, on peut se faire l'accès par là. Essayer de choper ça là. Voilà, ça c'est réglé. Salut Marco. Ouais, ça manque gentiment. Ouais. Ouais, attends, là il n'y a plus accès. Bonsoir Charlino. Ah, c'est le champ, c'est une famille là. Alors attends. Les médocs c'est bien, mais les comestibles c'est mieux. Ah c'est pour ça qu'ils ont aucun comestible stocké dans le frigo. Donc forcément. Ils descendent en CO2 et ils galèrent pour les choper. Pourquoi j'avais mis ça. Salut Rédic. Oui, parce que je travaillais pas cette semaine. Ah oui, c'était pour le lancer, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Alors, niveau conduite. Alors là, ce qui va être bien pour le filtre, je vais directement pouvoir piocher là-dedans. Et là, l'oxygène, je vais le remonter par là. Allez, on va les faire tomber. Attends, là j'ai la valve. Donc là j'ai une sortie. Pareil, on va faire une délire. Ah bah je suis déjà bourré d'hydrogène, ça moi. Ouais, ça je vais le cut. Attends. Alors ça c'est mon retour. Alors c'est la fois que je cut. Oui, c'est classique ça. Pour Marco. Un classique des extensions du jeu, de Claire. Les anciens joueurs aiment rarement les extensions de Claire. Moi, depuis la radiation, je commence vraiment à bien kiffer, hein. Déjà avant j'appréciais bien. Depuis l'agriculture divergente, je commençais à bien. Ah merde.
a bien kiffé, mais alors là, avec la radiation, là ça y est, je suis bien dedans là. Alors bien sûr, ça remplace pas le jeu de base, mais c'est quand même pas mal. Hein. Merde, je suis foulé oxygène, putain. J'ai niqué mon filtre. Ouais, je connecte là pour l'instant. Comme ça, je vais éclater le truc. Ah, j'aurais pas dû connecter le. L'erreur, c'était de connecter le. De connecter le générateur. Et là, je vais avoir une bulle d'hydrogène, d'oxygène. Ouais. Et j'ai l'oxygène à l'intérieur, putain, chier. D'accord, ok, intéressant. Oui, en gros, t'électrifies de l'eau, quoi. En fait, je me fais chier pour rien, je vais passer par là. Mais le pire, Marco, c'est que le jeu sera encore plus buggé quand l'extension va sortir. Le jeu de base, parce que quand ils vont appliquer le patch. Après, c'est normal qu'ils bossent sur l'extension en priorité parce que. Ça concerne tellement peu de personnes, les glitches qu'on connaît. C'est même pas 0,01%. Et t'auras toujours des bugs, malheureusement, de toute façon. Ok. Voilà, là c'est bien. Le filtre est injecté. Ça, c'est le plus chiant que le filtre mécanique. L'injection, après, ça va. Ok, et là.
Est-ce que je vais pas trop le freiner là? Ah oui, par rapport à FPS, ça c'est un problème de moteur de jeu. Hein. Il faut qu'il switch le jeu sur l'UE 4 quoi. Ça devrait être tranquille. Ouais, c'est sûr. Après, je sais pas, ils ont fait une espèce de mise à jour avec l'OpenGL. Je sais pas si c'est pour améliorer les perfs ou pas. Alors là, oui, il aime pas trop le pont, par contre. Ah oui, c'est à cause de l'autre. Ouais, c'est pour du filtre. Ouais. C'est pas mieux comme ça. Parce que là, j'ai encore un pont. Et si je mets... Ah putain, mais là, je vais péter mon vide, c'est chiant. Voilà, là ça passe. Non, normalement ça devrait aller. Mais c'est pas grave que j'en bride un, de toute façon. On a que 12 de piquant, donc c'est bon. C'est juste là, ça me merde encore. Par contre, là où il faut de canalisation.
Attends, peut-être que je vais passer par là. Voilà, et ici, on va se mettre une deuxième. Là, ça commence à bourriner sec. Après, c'est pas grave que mes électrolyseurs sont pas à 100% là, pour le coup. Là, je m'oriente plus vers la méthode numéro 1 que je vous ai montré. Deux électrolyseurs pour atteindre 100%. Là, on va plutôt prendre ça. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes conduites soient bourrées de gaz. Ce qui devrait être le cas. Et puis après on attaque le pétrole. Et là, faut que je déleste mon gaz. Ah, par contre, j'ai réduit sur l'hydrogène, ouais, du coup. Est-ce que là, je veux pas bloquer? Attends. Voilà. Et là, vous voyez, on est full. On a bien 2 kilos de gaz. Ça, c'est nickel. Pour 12 du piquant, il m'en faut 1200. Donc là, j'ai 800 kilos, 800 grammes de gaz excédentaire. Donc c'est parfait. Ouais, non, mais ça, c'est volontaire, ces batteries, en fait. C'est justement pour cramer un peu de surplus. Au début de partie, c'est pas très grave. Ok. On va balayer ça et on va attaquer le biome. Alors que là, ça, je peux y laisser. Ça va piéger le chlore.
Je vais passer un peu de CO2, mais c'est pas très grave. Bonsoir, The Dunchen Kuzo. Du coup, par contre, ouais, j'ai bridé un peu trop les 3 heures. Ah, on est vraiment flux tendu là. Pression max. Allez, c'est parti. Ah oui, il y avait ça à patcher. Salut Blazétique. Ouais, je me tâte. Je sais pas si j'envoie le chlore. Après, ça va être chiant d'avoir du chlore dans la base. On va le gérer par là. J'ai un méga biome de chlore, n'empêche. Pas tout ça là. Faudrait que je recompacte le gaz dans la zone là. Après l'hydrogène, c'est pas grave. On va fermer ici.
C'est bon, donc là. Ok. Je vais me faire une zone de compression du chlore ici. Intéressant, je l'ai pas fait au nord. Tout doit être au nord ici, hein, sinon ça crame. Merde, je sais pas ce que j'ai cassé. Le tuyau. Oh putain, j'ai pété le tuyau, mais lol. Et du coup, ça m'a éclaté mon filtre. Les mêmes et on recommence. Génial, ça me fout de l'oxygène, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je devrais en avoir là, super. Plus de me flinguer le générateur. Ah bah oui, parce que ça passe là-haut. Merde, ah putain. Super, bon. Ça c'est Oni atypique. Allez, on recommence tout. Sauf que là, si ça va, j'ai bien changé assez.
que c'était bon ce que j'avais fait. Ramasse le bazar. Là, on va faire en mettant lock. Ok, allez, c'est parti. Ah merde, je peux mettre que deux. Attends. Je pourrais utiliser les cuves aussi. Donc ça, c'est une méthode non glitchée de comprimer les gaz. C'est la méthode standard, quoi. Tout à fait, avec n'importe quel gaz, David. Mais le CO2, il me dérange pas dans la base. Un gros nuage, mais ça va pour l'instant, on est pas dans une zone. Ouais, bon, à part au niveau là. C'est vrai qu'au niveau de l'élevage, il est un peu chiant. Je vais vous montrer comment on filtre le CO2, même si je vais en avoir besoin pour les bouteilles après.
Ça, c'est très bien pour recycler le CO2. Et avoir un gros boost de morale. Par contre, ça pompe pas mal niveau électricité. Alors là, pareil, on va le loquer. Les petites pompes sont vachement plus efficientes pour faire le vide. Merci à Marco d'ailleurs pour l'astuce. Encore un rat-au-pied. Ok, alors on va se faire de l'électricité en local là. Un truc basique pour l'instant. Parce que ouais, c'est 480 par utilisation. D'ailleurs, on va faire ça. Salut Noman, pourquoi faire autant de listes de marée? Bon, ça sort toujours. Hein. Les trois quarts, c'est pour les dracos. Et les autres, bah, ça sert pour ta base, quoi.
Salut, excédé. On va juste connecter une CO2 là. Ah, pas de soucis dans le cas. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le but. Tout à fait. Et c'est en ça que c'est abusé. C'est que tu peux y nourrir gratos et avoir de la laine gratos. C'est pour ça que j'en ai fait autant. Parce que la laine, c'est hyper important. Déjà pour les tableaux. Ça te sert aussi pour les exosuites. Et ça te servira après plus tard pour d'autres choses. Ça, je vais la baisser. Alors, c'est bien avec les plantes à poux pour les faire évoluer. Mais une fois que... Attends, je vais trop montrer mon... Ah, mais c'est pas vrai ce truc, putain. Chaque fois il se coince, c'est incroyable. Hein. Ouais, tout à fait. Une fois que tu as tes dingos bleus, et bah, tu mets tes blancs dans un élevage de lys. Et c'est réglé. C'est marrant que ça bug ça. J'aime bien y faire au local. Ah oui, par contre, ça c'est con. Ouais, attends. Ça, on va y purger. En début de partie, ouais, vu que ça consomme quand même pas mal. 1000 watts quand même pour deux trucs, donc... Ouais, dioxyde de carbone, c'est bien. Ok. Voilà, ils vont se taper. Plus 4 morales et 1 science. Et en plus, ça va recycler de CO2. Le seul petit inconvénient, c'est que ça bouffe de l'eau. Mais vous pouvez utiliser l'eau excédentaire des toilettes. Pour vous alimenter. Ah oui, sauf que là, ils vont mettre le CO2 ici, ça faut que je le désactive. Donc ouais, voilà, tu vois, une fois que t'as fait tes bleus, bah les blancs, tu les mets dans un élevage de lys, et c'est abusé, quoi. T'as des coquilles d'œufs, de la viande, de la laine, gratos. Ça te coûte aucune ressource.
Et c'est encore pire avec l'extension parce que tu peux en plus nourrir les poissons avec les graines. Je pense qu'ils vont être nerfés, les lits, ça va pas, c'est trop puissant. Surtout avec l'extension, c'est vraiment abusé. Alors la bouffe, il t'en faudra beaucoup pour pouvoir alimenter ta base, parce qu'ils vivent longtemps. Donc il faut quand même un sacré paquet de dingo pour faire un élevage full alimentaire. Non, c'est surtout pour la laine en fait. Avoir plein d'œufs, tu vois, comme j'ai fait ici. Et tous mes œufs excédentaires, je les stocke ici. Et j'ai des tours en boucle dans cette salle. C'est surtout pour avoir une population énorme. Voilà, on va y arriver. Les électros, ça va. Voilà, pour le coup, on a vraiment petit oxygène. T'es juste sur l'eau, ça va peut-être un peu juste à voir, mais j'ai encore 46 cycles à tenir. Ouais. Là, je complète avec une autre fumerole. Oui, la phosphorite, enfin voilà, un milliard de ressources. Totalement gratuite. Et voilà comment on comprime les gaz de façon legit. Est-ce que c'est lancé? Mais ouais, ça y est. Et par contre, ils n'ont pas livré le CO2 encore. C'est chiant qu'on puisse pas livrer avec les bras, les bouteilles. Donc vous voyez, petit setup simple et efficace. Plus cap moral, ça vous bouffe votre CO2. Oui, j'ai déjà vachement délesté le CO2. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on va repousser un peu le chlore. Ça évitera d'en mettre partout. Alors, une autre astuce aussi pour comprimer le gaz de façon non glitchée et plus rapide que ça. Mettez une cuve. Une ou plusieurs, peu importe. Mais au moins une déjà. Donc là, c'est bon, on peut y accéder. Ça, ce biome, c'est pas grave. Si le gaz passe. Voilà, on les laisse se remplir. Ah oui, t'as raison. Oui, bien vu.
Ah, je n'ai pas validé encore le lock. En effet. Ça, c'est un micro-waterlock. Le chlore, ça sert à différentes choses. Au début de partie, tu peux t'en servir pour stériliser ton eau contaminée. Parce que le. Où est-ce que j'ai mis mon. Attends, ouais. C'était bloqué. Parce que ça fait que dépolluer l'eau, ça ne décontamine pas. Et donc, voilà, tu peux mettre. T'as un tuto sur la chaîne. Voilà, tu peux mettre des cuves pour stériliser. Tiens, voilà, ça y est, ce bourre de moral là. T'as ça, tu peux aussi stocker ta vase dans le chlore, dans une salle de chlore, avec un waterlock. Ça tue la limonchiite. Tu vois, là j'ai de la vase stérile. Et tu peux aussi stocker tes aliments dans le chlore pour stériliser. C'est l'atmosphère stérile, maintient juste la stérilité, mais ne stérilise pas. Et aussi, après, pour faire des élevages de dracos. Voilà, c'est bon, là, c'est ok. Le seul truc chiant avec le chlore. Non, non, c'est pas du tout ok. Le seul truc chiant avec le chlore, c'est que ça empêche la plupart des plantes de pousser. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'en avoir dans la base. Mais au pire, si t'en as dans la base, c'est pas grave. Le chlore a tendance à stacker par ici. Parce que t'as une mécanique des fluides gérée par le jeu. Et donc, bah, évite juste de mettre des plantes par ici. Genre, si tu les mets ici, t'auras jamais de problème de chlore. Pour les fusées, non, mais pour les plantes que tu trouves dans l'espace, oui. Et en gros, ouais, pour savoir toutes les utilisations du chlore, tu vois, OniDB. Bon, ça ne dit pas tout, mais ça t'en dit déjà pas mal. T'as aussi pour les bouffettes. Enfin, de la soude pour les laitues. Ouais, disons, retiens juste, je crois que tu débutes, hein. Le principal usage, c'est pour stériliser l'eau. Sachant que la stérilisation de l'eau, c'est pas hyper urgent non plus, hein. Stérilisation de l'eau et stérilisation des aliments. Et donc vous voyez pour les dracos, j'ai fait un petit élevage de bleus. Et tous les œufs, les bleus et les blancs, je les mets dans une salle d'attente, bourrée d'hydrogène, et je nettoie en boucle. Et dès qu'il m'en manque, bah, je pioche ici et je réassors mes élevages. Vous pouvez soit faire ça, soit faire une salle avec de gaz, comme j'ai fait ici. Mais l'inconvénient, c'est que là, ils ne sont pas exposés tout le temps à l'hydrogène. Donc leurs écailles ne repoussent pas tout le temps. C'est plus lent, en fait, là, vous voyez. Ah merde, ah putain. Là, il est exposé. Ah, là, il n'est plus exposé. Taux de croissance, vous voyez, là, je suis à 0%. Et quand il va repasser dans l'hydrogène, ça va remonter. Vous voyez par exemple lui, taux de croissance, 33%. Alors que si vous faites une salle d'attente, là j'aurai un taux de croissance qui sera 33% en continu. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait autant d'élevage de dracos blancs. C'est pour avoir masse dracos en fait. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un bras pour récupérer la barbaque. Ouais. Parce que j'ai plein de viande donc il va pourrir. Il me faudrait un sweepy sinon. Ouais, genre attends, je vais péter lui. Voilà, après l'architecture,
C'est à toi de voir. Hein. Tu peux mettre à côté, ta salle d'attente, tu peux la mettre là. Fais juste gaffe, fais juste gaffe. La salle d'attente génère beaucoup de chaleur. Les dracos ils ont une température corporelle assez forte. Donc ça peut être une grosse source de chaleur. Donc évitez de la mettre dans la base. Ou alors isoler vachement. Parce que ça peut poser problème en termes de chaleur. Et par contre, c'est une méga usine à plastique et à laine. Là, en plastoc, on est à. J'ai un palier en plastique, super. On est déjà à 8 tonnes 6, juste avec les dracos. On voit, c'est quand même assez vénère. Et c'est 10 fois plus simple que de. Que ben justement de mettre en place le pétrole. En effet, tu peux mettre des gloutons pour réguler la chaleur. Ouais. C'est des bons destructeurs de chaleur, les gloutons, parce que quand ils passent à l'âge adulte, ils détruisent la chaleur qu'ils avaient sur leur corps. Et en plus, la cuve, elle contient beaucoup de gaz. Donc, on purge très très vite un biome. Comme ça, on va pouvoir libérer toute cette place. Là, ouvrir ici, voilà, récupérer la place pour la base. On va ouvrir là. Ça va tout ce gaz, on va le comprimer dans la salle là. Voilà, et pour le biome pétrole, c'est facile, hein. Il suffit de rusher le bas de la carte. Et vous allez tout mettre dessus. Je travaille dans le milieu paramédical Lanka, mais j'ai tout appris en jouant au jeu. Avant, j'y connaissais quasiment rien. Quand j'ai débuté, j'arrivais à peine à canaliser de l'eau, donc. 4 ans, moi, ouais, j'ai pas mal appris. Juste être curieux, quoi. Vous voyez, sur le refroidissement, on a vachement gagné. Hein. Alors, c'est pas encore, il fait pas bon au moins 50, mais par rapport au début de la partie, vous voyez, on a quand même vachement gagné. Hein. Merci, Alonka. Voilà. Ah, par contre, ce qu'il faut faire gaffe. Non, alors station engrais, c'est pas tout le temps nécessaire. C'est très utile pour les. Ah, pour les champis. Ouais, on pourrait, mais bon. C'est surtout utile pour économiser les ressources. Donc, c'est fortement conseillé pour toutes les plantes qui consomment de l'eau. Parce que pour le coup, tu vas être vachement rentable. Là, si on voit sur Oni Assistant, la différence, vous allez voir, c'est assez incroyable. Bah justement, les fameuses fleurs velues. Donc, par exemple, pour 12. Donc, juste le fait que, vous laissiez vos duplicants les ramasser, déjà, vous gagnez en plantes.
Parce qu'en full automatisé, c'est 60 plantes pour 12. Si les dupliquants ramassent les plantes, il n'y en a besoin plus que 36. Donc on gagne un petit peu en eau. Et si on les fertilise, vous voyez, on passe de 720 kg d'eau à 360. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles poussent plus vite. Et donc, bah, leur consommation par cycle est réduite. Vu qu'elles consomment X eau par cycle, bah, au lieu de pousser en 10 cycles, et donc de consommer par exemple 10 kg d'eau par fois 10, bah, ce sera 10 kg d'eau fois 5 cycles. Et donc, elles consomment deux fois moins. Et malgré l'eau polluée nécessaire pour le fertiliseur, eh ben ça reste encore plus rentable. Et vous pouvez aussi faire du sauvage fertilisé, vous voyez, pour en mettre moins. Là, en sauvage, il me faudrait 144 plantes, 140 fleurs velues. Et si je les fertilise, il m'en faut que 72. Et ça va être vachement intéressant avec l'extension, avec l'agriculture divergente. Vous pouvez mêler élevage et agriculture, parce qu'il y a des créatures qui remplacent qui peuvent fertiliser les plantes à votre place, et du coup, vous obtenez ça. Et si vous coupez les deux, alors c'est encore pire. Fertilisation plus divergent, ben là, on doit pouvoir descendre à 30. Voilà, pour comprendre les mécaniques. Après oui, pour les champignons, tu gagnes. Ouais, tu consommes un peu moins de vase. Après de la vase, il y a plein d'astéroïdes, donc bon, c'est pas non plus. C'est normal, David, l'espace, c'est un new game plus. Donc tout est plus galère. Tout est deux fois plus difficile que sur l'astéroïde. Donc c'est normal que tu galères. Là, j'ai des enclaves bien, le biome, on va en profiter. Et voyez le fait de dégager les gaz. Comme ça, je vais pouvoir me libérer toute cette zone. Et du coup, élargir ma base. Allonger ma base. Ouais, c'est pour ça, Benz. Parce qu'en fait, si tu prends n'importe quelle plante, par exemple celle-ci, tu vois, alors déjà en domestique, elle va pousser en 8 cycles, au lieu de 32. Donc il t'en faudra beaucoup moins pour nourrir tes dupliquants. Et elle consomme 35 kg d'eau par cycle. Et vu que le fait de la fertiliser, elle va pousser deux fois plus vite. Donc elle va pousser en 4 cycles. Du coup, tu n'auras pas 8 x 35, tu auras seulement 4 x 35. Et donc tu vas consommer moins d'eau. Même s'il faut un peu d'eau polluée pour le fertiliseur, sachant que de l'engrais, tu en as quand même sur la carte. Donc tu peux déjà taper sur les stocks de la carte. Et après, faire ton fertiliseur. J'ai pas la place là. Je ne sais pas, il faut demander à l'auteur. Je ne sais pas s'il joue encore. Bon, là j'ai un peu de chlore, on va s'autoriser un petit nuage de chlore. Son site, on pourrait encore l'améliorer. Ça manque encore un peu d'écosystème. Je trouve que les écosystèmes, on n'a pas des écosystèmes étendus. Donc il pourrait être encore amélioré sur le site. Mais il est déjà excellent. Mais... Salut Fab, ça dépend sur le jeu de base ou sur l'extension. Sur le jeu de base, c'est extrêmement utile pour électrifier tes porte-bunkers. Tu fais le setup que j'ai montré, bah voilà. Tu fais le setup que j'ai montré sur mon tuto de l'espace. Et ça te permet d'électrifier tous tes porte-bunkers gratos. Tu fais une méga armoire à batterie.
Pour le coup, c'est le seul cas où c'est intéressant de faire un armoire de batterie. Tu blindes le panneau solaire à ta surface et tous tes porte-bunkers sont électrifiés à gratos. Et en plus, tu seras net en électricité. Tu pourras même taper un peu sur ton stock d'électricité pour électrifier différents éléments de ta surface, type les paraboles et autres machines. Ah oui, si, c'est toujours valable. C'est toujours valable. Ça reste de l'énergie gratuite, qui ne produit pas de chaleur en plus. Non, c'est hyper intéressant. Sur un setup full automatisé, c'est un petit peu long à mettre en place, mais ça passe. Hein. Je l'ai refait sur ma base en du piquant. Alors ouais, alors ça David, ne gardez pas ça en tête. Quand tu auras les pluies de météorites qui vont revenir, ce sera clairement plus le cas. Sachant qu'il n'y aura pas que les pluies de météorites en plus. Donc là, profitez de l'espace abusé comme il est actuellement, mais ça va pas durer éternellement comme ça. J'enlève toute l'eau polluée pour éviter d'en avoir dans le biome. Même si à tous les coups, je vais quand même en avoir. Alors Fab, oui, ça j'ai dit au début de stream. J'ai eu justement un problème de chaleur sur ma base, du fait que ce biome était chaud naturellement, de par la présence de la fumerole. Et en plus, les biomes de chlore ils sont chauds aussi de base. Le plus simple, c'est les plantes sifflantes. Tu les mets dans tes zones chaudes. Et là, tu vois, j'ai quand même pas mal refroidi la base. Tu les mets tombés un peu partout dans ta base. Et donc, bah, pour ce faire, tu cherches les biomes de glace. Et voilà. Et si vraiment tu as besoin d'un gros flush thermique, tu prends une plaque de régulation thermique. Tu la fais en glace. Tu fais ça. Et ça va te faire un méga flush thermique. Tu vois, genre, je fais ça. Et pareil, il faut un biome de glace. Alors, c'est pas durable, hein. C'est vraiment juste pour avoir un petit coup de froid rapide. Et le plus durable en début de partie, c'est les plantes sifflantes. Juste spam ta base de plantes sifflantes. Et après, l'idéal, c'est de refroidir l'oxygène de tes électrolyseurs. Et du coup, tu auras de l'oxygène froid que tu vas injecter dans ta base, et donc tu auras une base climatisée quoi, en fait. Ah, c'est l'électricité, c'est un vaste sujet. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est assez vaste pour te faire une généralité, mais ça dépend de ta base. Tu vois, là, j'ai fait un réseau assez basique pour l'instant. Avec un peu d'électricité en local pour les réseaux un petit peu lourds. Et ça, tu vois, j'ai pas besoin de générateur, c'est utilisé une fois par cycle. Juste une roue et une batterie, ça suffit largement. Typiquement, genre, t'as une discothèque, tu fais ça pour le début de la partie, c'est largement suffisant. Alors là, bien sûr, ils veulent pas faire la plaque. Ça, on va le réduire. On va le mettre à 5, ça. Putain, je dis. Ouais, c'est bon, j'ai un bassin. La porte est d'autre. Voilà, tu vas voir. Donc là, on regarde la température. Genre, si des plantes sifflantes ont trop chaud, et que t'as pas encore tes plantes à poux trop chaud, tac, voilà, le petit flush. Et là, je peux te dire qu'elles vont avoir bien froid. Hein. Alors, bien sûr, balaye, parce que sinon, elles vont être un petit peu trop froid.
Et voilà. Tu te réfrigères tes plantes. Ça, c'est très utile quand t'as des plantes qui poussent pas. Tu vois, genre là, il fait un peu trop chaud. Et bah, si tu veux un petit flush en attendant une plante sifflante, tu fais ça, en glace. Mais voilà, encore une fois, c'est pas durable. Mais voilà, en mode un peu urgent, ça, c'est très utile. Voilà, on est au biome de magma. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire un waterlock pour éviter d'injecter des gaz et de l'eau dans le biome. Après, c'est un bordel pas possible. Et ça, c'est le seul biome de la carte où il faut une exosuite. Toute la carte est visitable sans exosuite. Là, imaginons que j'ai pas d'exosuite. Qu'est-ce que je fais pour mes couloirs distants? Vous mettez des terrariums à disséminer un peu dans vos tunnels. Comme ça, vous faites des points d'oxygène. Et vous avez aussi ces biomes qui peuvent servir de relais d'oxygène. Et toute la carte, y compris l'espace, est visitable sans exosuite. Là, je les ai fait parce que c'est plus confortable. Et aussi parce que j'ai setup la cheminée à vapeur. Voilà. La cheminée à vapeur et le biome pétrole, c'est les deux seules zones. Oui, il faut y aller en exosuite, sinon vous allez crever. Du fait de la chaleur. Sinon, pour le reste, c'est faisable sans. Ah oui, ça, l'Anka, c'est extrêmement utile. C'est ce que je disais hier. Le geyser eau polluée froide, c'est extrêmement puissant. Pourquoi ça refroidit autant? C'est très simple. Tu vas sur. C'est d'ailleurs ça qu'on reproduit avec la combinaison thermostat plus turbine. On boucle de l'eau polluée avec le thermostat, qu'on refroidit à mort, et t'as 10 kg par seconde d'eau polluée froide, et c'est énorme en termes de DTU. Tu vois par exemple si t'as ton eau. Attends. À moins 10, tac. Ton eau est à moins 10. On va y arriver. Et tu la montes à 30. Et ben tu retires 1,6 million DTU par seconde. Donc ce qui est titanesque. Un générateur, ça produit que 15 000 DTU. Et un générateur à charbon, c'est 9 000 DTU. Ça, c'est 10 000. Donc vous pouvez refroidir 100. Aussi ça, hein, 10. Oui, sans générateur, avec de l'eau polluée bouclée comme ça. Donc oui, c'est normal que ça climatise ta base. Parce que c'est ultra puissant. On va utiliser la bissalite. Décide juste le lock. Tac tac. Alors là c'est chiant, donc là j'ai un biome un peu dégueu. Là je vais mettre de l'eau, surtout pas de polluer pour les waterlock. Sinon ça émet du gaz.
Salut MJ. Ah bah nickel, content. Que ça te serve. Tac. Eau salée, je pense pas que j'en ai assez. Non, on va mettre de l'eau, c'est plus solide de toute façon. Combien de vidéos de Let's Play? Ah bah, à définir, beaucoup parce que c'est une chaîne 100% Oni. Hein. Donc j'ai trois Let's Play en cours. Celui-ci, l'autre de ma base sur du piquant, que je vais bientôt reprendre. Et Space Out. Attends, on va se calmer un peu, on va déjà faire Waterlock avant ça. Et là j'ai mis un peu vite en fait. Marc, non, ouais, aussi, on va gérer ça. On va gérer cette base là, ça me plaît pas trop. Comme ça, là, s'il y a du liquide qui tombe, on aura quand même une sécurité pour pas inonder le biome. Et je vais vous montrer comment le. Sur celui-ci, oui, a priori, je vais aller jusqu'à l'espace. Ouais. On essaiera d'y aller assez vite d'ailleurs. Même si, techniquement parlant, c'est pas très urgent. Bonsoir, Néflit. Quand elle est en morale, on est quand même pas mal. Putain, j'ai pas encore rempli la cuve. Ça contient pas mal de la cuve, on pêche. Ouais, toute cette saloperie là, on va y récupérer. Ouais, je manque de temps malheureusement. J'ai déjà fait un speedrun en plus. Enfin, c'était plus un speedrun, mais j'avais rush en 100 cycles la surface avec quasiment une fusée de fait. Vous avez de l'XP sur la chaîne. Là ouais c'est exceptionnel, là je bosse pas cette semaine mais ça devrait pas durer. Tiens si je voulais gagner un peu de temps, je ferais couler ça. Non malheureusement Angeli. Et bonsoir au passage. Non, t'es obligé de désinstaller et de réinstaller le patch à chaque fois, c'est l'enfer. Pas le patch, l'extension. Ouais, je crois que on va faire rapide. Ça, ouais, c'est un peu galérien comme système. Ouais, mais le fait de désactiver en fait le DLC, c'est que tu le désinstalles. Ah oui, mais justement, merci Monsieur Jack. Tu fais penser justement que je vais mettre un soupi. Merci de m'en reparler. Ici, on va mettre un soupi pour ramasser un peu le bordel, là. Et là, ce serait top d'avoir du chlore aussi, de l'hydrogène ici. Pour qu'il soit vraiment full expo. Donc là, ouais, je vais essayer de me caser un sweepy que je n'ai pas débloqué. Ça commence à arriver sur l'eau.
Mais j'aurais quand même bien ouais, compléter. Enlever ça. Ah non, mais de toute façon, c'est fait comme ça, tu peux juste pas en fait. Ouais, c'est un design, ils ont designé comme ça l'extension, je sais pas pourquoi. Je crois que c'était sur Hamlet où ils avaient dissocié les deux. Un peu comme un mode standalone, là c'est vraiment comme un patch en fait. Ouais, là ça va devoir avoir assez. Ok. Voilà, ça va nous remplir le waterlock comme ça. Ouais, c'est parfait, la masse flotte. On va virer ça et je vais refaire le vide. Je vous déconseille d'injecter. Vous pouvez y aller en mode YOLO et injecter les gaz et tout à l'intérieur, mais si vous voulez faire ça propre, je vous déconseille. On va se mettre à sweepier. Comme ça, j'aurais juste à mettre un bras et puis voilà. Il va couvrir toute la zone. Sinon, il faudrait que je mette plusieurs bras. La cuve, est-ce qu'elle est pleine? Non, pas encore. Mais si bien le vide est quasiment fait, on va continuer à ouvrir le biome. Putain, qu'est-ce qu'il est grand ce biome, purée. What the fuck? Ouais, est-ce que je pourrais faire? On va vider aussi en bas là. On va bloquer là. Je vais complètement purger le biome. Ah, est-ce qu'il pourrait être sympathique? Cette poche d'hydrogène pour le coup. Je veux bien me la récup. Pour essayer de la stacker là-haut là. Yes, évidemment, l'autre il s'est coincé. Ils sont incapables de construire sans se coincer. Et là, comme ça, voilà. On ouvrira tout ça et on va purger tout le biome. Voilà, je vais laisser monter l'hydrogène. Bonne soirée, Alonka. Merci d'être passé.
Le bras, on pourrait le mettre là. Là, comme ça, je me mets ça pour vider Soupy. Et après, bon, on fait partir le rail. Limite, j'aurais presque pu mettre la Soupy pour faire partir le rail directement. Mais c'est vrai que ça aurait été plus logique. Ouais, en fait, c'est... Ouais. J'ai pas été très logique, là. En fait, c'est vrai, ouais, c'est je voulais garder les statues pour un décor, pour le décor ici, mais en termes de rail, ça sera moins cher de me mettre ici. Ouais, et après, de ramener la bouffe... Par là. Et plus tard dans la cuisine. J'ai juste à mettre un bras ici, puis c'est bon. Ok, donc là on est bon. J'ai un peu dépassé les horaires là, je crois. 2 heures, ah ouais. T'as rejeté combien? 200... Non, c'est 275. Ah non, ça devait être 250, mais c'est pas grave. On va faire un peu plus long aujourd'hui. Ouais, c'est 20h10, on va pas non plus gratter plus que ça, mais voilà, on devrait juste faire l'accès. Donc ouais, je vous conseille Waterlock plus vide. Ça, vous aurez pas un mélange de 1 milliard de gaz dans la pièce. Et même là, on détruira le CO2. Et au prochain épisode, on verra comment on fait pour traiter le biome. Il est gigantesque le bureau. On va récupérer une place.
Et donc, ouais, l'astuce de la cuve, bah, c'est de la casser, tout simplement. Et comme ça, vous injectez 200 kg de gaz dans la pièce, quelle que soit la pression. Voilà, je refais le vide. Je vais faire cycle 265, puis après on va arrêter. Voilà, et là vous voyez tout le gaz s'est barré dans la pièce. Là je suis passé à 5 kg, on était à 3 kg. Et on remet une cuve. C'est bon, il y a Swoopy qui est mis en route. Comme ça, il va nous récupérer la viande. Plein de choses utiles dans le biome pétrole, les fossiles pour faire de l'acier. Il y a du fer, il y a du plomb, c'est du métal raffiné à l'état sauvage. Donc ça vous permet voilà, d'avoir du métal raffiné gratos en très grande quantité. Donc notamment très utile pour ça, pour améliorer vos générateurs, pour faire des gros câbles aussi, gratuitement. Sans devoir puiser, sans devoir raffiner du métal. Le pétrole, bien sûr, qui permet de faire de l'électricité. Ça sert aussi de buffer thermique. Vous pouvez faire du plastique, ou là en l'occurrence c'est useless, parce qu'on a une hydrépo. Et voilà, ouais, c'est un biome assez important. Et bien sûr, beaucoup de roches magmatiques et de granit. Et vu que c'est un biome très chaud, c'est pour ça que j'aime bien y accéder sous vide, éviter d'injecter du liquide, de foutre des gaz. Ça, on a un meilleur contrôle de la température. Et ça évite d'injecter la chaleur de votre astéroïde. Bon, après, avec l'effet de masse, c'est pas très grave, hein, ça se dilue, mais bon, c'est pas très propre. En tout cas, niveau calories, ça va. Hein. Là, c'est les champis, ça nous carie vachement. La viande aussi, pas mal. 150 000. Purée, qui sont grands, enfin, c'est dalle, je te jure. Quand je te fais une dalle, il faut aller retour, c'est. Un peu. Salut Galouane. Ok. Bon, en fait, faut juste speeder.
Ouais, la piscine est sous vide. Ça, c'est quand même moins urgent. Salut, Ultralien. Là, je suis sur le jeu de base en fait. J'ai pas de notion, j'ai pas testé le patch. Apparemment, il est sorti ou pas? Non, je crois pas que là. Il est pas sorti. Hein. C'est jeudi qu'il sort le prochain patch. Alors là, on va procéder par avec méthode. On va miner comme ça. On va déjà patcher cette première dalle de CO2 sans ouvrir la pièce. En tout cas, il n'y a pas de patch note, donc c'est assez bizarre. Et au prochain épisode, je vous expliquerai les puits, comment ça fonctionne et tout. Tout ça, c'est pas comme un geyser, ça ne produit pas si on ne met pas de puits dessus. Bah oui, j'avais dit ce soir, mais en fait, j'avais le doute. C'est plutôt le jeudi le patch. Des fois, c'est les mardis. Et je me suis planté, en fait, ce sera jeudi. Mais des fois, ils sortent le mardi. Hein. Sur des longues distances comme ça peut être pas mal d'avoir les barres de pompiers. Ah, c'est bien de la réaction euphorique. Donc là, on va tout ramasser. Alors, par contre, sauf les œufs. Voilà, et on va pouvoir requêter l'accès. Une dalle pour miner, ouais, c'est pas possible. Ouais, t'as raison. Pour dézoomer comme ça, c'est Alt plus S plus la molette de la souris. Ok, et là, vous voyez, je vais patcher en biais. J'ouvre pas le biome, on reste sous vide. Ouais, l'avantage du vide, voilà. Aucun échange thermique. Quand même sécurisé ici, on sait jamais si là ça pète. Il n'y a pas de raison, mais bon. Voilà, je recasse là, et là j'aurais détruit le gaz. Alors si vous amorcez comme ça l'accès sous vide, là c'est faisable sans exosuite. Comme je l'ai fait sur l'extension, mais c'est quand même hardcore de faire ça, mais c'est faisable. Donc c'est pas tout à fait vrai quand je dis qu'il faut absolument une exosuite. C'est faisable sans exosuite, mais c'est quand même hardcore.
Ouais, là, autant le faire se peut, on va essayer d'éclater le CO2. Alors faites vachement gaffe à ces poches, elles sont sous pression. Le jeu gère la compression des liquides. Et si j'affaiblis un peu le mur, ça explose et le pétrole remonte. Donc attention à vos waterlock et autres. Tout ça, c'est sous pression. Hein. Normalement, c'est 800 kg la pression maximale par dalle du pétrole. Contrairement à l'eau. Ouais, là aussi j'ai refait la même connerie, décidément. Et là, après, on va s'improviser en waterlock avec le pétrole, là. Voilà. Et comme ça, on va patcher tout ça. Tac. Là, on peut ouvrir là. Et justement, ce qui peut être bien, alors lui, il est quand même, il devait être bourré. Hein. Mais si je voulais remplir cette salle, ouais, est-ce que je peux faire? Après, ça va effondrer le lock. On marque temporairement, c'est locké ici. Là, vous allez voir, je vais vous montrer les trucs sous pression. Comme ça, on va faire remonter le pétrole dedans, là. C'est incroyable. Et on a vraiment une totale maîtrise de la température qui se fait uniquement par contact. Ouais, suspense. Ça va surtout nous péter à la gueule. Enfin, je pense à patcher cette dalle là. En tout cas, ouais, j'ai vraiment un giga biome de chlore, hein, purée. Niveau chlore, on est servi. Il y aura tout ça à gérer encore. Bon, c'est ce qu'on va interloguer. Bah, tu sais que c'est pas possible, hein. Et voilà, vous allez voir le volume qui remonte. Vous avez vu comme c'est sous pression? Ça c'est bien, ça va m'écraser le gaz. 800 dans ça, ouais, il y a de fortes chances en fait. Ah ouais. Mais en soi, je m'en fiche. De toute façon, j'ai un méga effet de masse.
Voilà, et le but c'était ça, surtout comprimer le gaz là. Non mais en soi c'est pas vraiment, vraiment pas grave. Hein. Et voilà. Ça si on vous dit qu'on peut pas comprimer des liquides dans le jeu, bah si. On peut. C'est une mécanique de jeu. Oh putain, par contre, ça va me péter la pression ici. Bah oui, j'ai bien fait de mettre un mur ici. Hein. Alors, on peut, mais par contre, il faut protéger les murs. Vas-y, c'est en train de me péter Waterloo aussi là, putain, l'enfoiré. Mais lol. Bon, faut que je dépressurise ça très vite ça. Ça va péter. Voyez, c'est pour ça qu'on met des portes quand on protège, quand on fait des compressions glitchées, enfin pas glitchées, mais voilà, des compressions. On va dire glitcher pour simplifier. Parce que sinon, ça vous pète les murs. Vous avez le droit de... Putain, ça va me péter mon waterlog, MDR. C'est en train de tout m'exploser. Vous avez le droit de comprimer les liquides, mais au prix de la pression. Donc, faudra gérer la pression. Ah ouais, ça m'a pété mon waterlog, quoi. C'est original, ça. Moi, ça nous fera un pétrole lock, hein, c'est pas grave. Donc, ça, vous voyez, c'est un des pièges du biomagma. Les poches de. Les poches de pétrole sous pression. Et moi, surtout, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas d'eau et de gaz à l'intérieur. Que ça reflue un peu, c'est pas très grave. Voilà. Enfin, le but, c'est d'avoir un biome bien propre. On virera tous les gaz. Et comme ça, pour les setups, on sera beaucoup plus confort. La petite bulle de gaz, on va la sauter, on va la faire sauter. Oui, c'est ça, le mur, je l'ai senti. Je me suis dit, putain, si j'avais pas mis le mur, ça m'aurait explosé ici, l'eau polluée. Et ça m'aurait mis un bordel, mais pas possible. Et voilà, et après, bon, on nettoie le biome. Hein. Comme d'hab. C'est toujours plus confortable, hein, de faire des setups avec un biome bien nettoyé. Alors là, en plus, sans gaz, sans eau, ça va être parfait. Et après, en termes de setup, alors pour faire le cuiseur à pétrole, il faut de l'acier. Après, on peut rush l'acier. Ouais, on fera peut-être directement le cuiseur, je pense. C'est pas très compliqué. On se mettra bien à nu le biome, bien propre. Je pense que je ferai un gros stockage comprimé de pétrole. Et après on rush le cuiseur. C'est juste un tunnel à faire, c'est vraiment pas compliqué. Le seul truc chaud c'est qu'il faut de l'acier, mais à part ça.
Ouais, et en plus le fait de miner ça fait de la place pour le pétrole. Ouais, vous posez le puits sur le bidule. Et pour faire fonctionner, pour extraire le pétrole, il faudra injecter de l'eau. Après, il y a plein de problématiques parce qu'en fait, ça chauffe. Le puits chauffe, donc il va émettre de la vapeur. Il faudra aussi vider à la main, dépressuriser à la main le puits. Tous les X cycles. Alors ça, c'est un bug du jeu. Quand un liquide ruisselle sur une abyssalite qui est chaude, ça induit un échange thermique immédiat. Et là, vous voyez, j'ai du gaz corrosif. C'est du pétrole gazéifié. Et là, j'ai du pétrole raffiné parce qu'en fait, le pétrole a ruisselé un peu sur l'abyssalite et ça l'a cuit. C'est pour ça que j'ai ces différents liquides et gaz. Vraiment, prenez le temps de bien nettoyer. Je sais que sur certaines parties, j'ai un peu de pétrole un peu à l'arrache. Là, je vous montre vraiment la méthode propre. Prenez le temps de bien nettoyer le biome. Si vous avez injecté du gaz par erreur, ben, vous le revirez. Ou voilà, vous minez tout. Ouais, tu peux en effet pour virer les gaz, tu peux aussi jouer avec la surpression. Ouais. Ouais, là, vous voyez, comme ça, on a un gros truc impeccable. La chaleur est vraiment maîtrisée ici. Et on se retrouve pas avec plein de gaz, plein de flotte partout. Faites juste attention quand vous arrivez au niveau de l'abyssalite. De justement pas faire tomber votre pétrole dessus parce que sinon ça va se gazéifier, ça va vraiment foutre le bordel. Donc là c'est la zone un peu sensible en bas là. Il faut faire gaffe, il y a du... du CO2. Non, c'est un germe respiratoire, t'en fiche. Que c'était du spore zombie dans le pétrole, c'est zéro impact. On va essayer de rush un peu la déconstruction. Voilà. Voilà. Ça, tu vois, toute la zone supérieure est déjà bien, bien propre. On aura comme ça un premier puits de désenclavé. D'un geyser au salive. Quand les échelles, c'est l'enfer. Et du coup, on va avoir des tonnes et des tonnes. Ouais, j'ai déjà 4 tonnes de plomb.
Une 4 tonnes de métal raffiné gratos. Je revérifie mon fumerole, va. 27 cycles. Ouais, ça doit tenir. Patch le CO2. Ça, pareil. Qu'est-ce qui surchauffe? Ah oui, c'est là. Ça, vous l'avez toujours cette alerte. C'est une alerte complètement useless. En plus, vous voyez, toutes les ressources comme ça seront en bas. On aura des salopes et câbles. Alors ça, il y a pléthore de setup autour de ça, mais je pense que je partirai sur un truc simple. Je pense qu'on va garder sur un truc noyé. J'avais fait ça sur Arboria, c'était plutôt satisfaisant. Avec un filtre. Par contre, un lock assez haut. Ah, du coup, je me décale. Ah, attends, il n'y a pas accès à lui. Il y a un problème d'accès, on dirait bien. Ah, merci, Noman. C'est ce que j'étais en train de me dire, j'exagère un peu le truc là quand même. Même là. Ouais, même si ça paraît pas mal.
Là, le truc con, c'est que je pourrais pas mettre de capteur. Au pire, je mets là. Et voilà, pour éviter de déborder. Alors faites gaffe au plomb, ça fera 300 degrés. Hein. Est-ce que je partirais pas sur un gros câble? Ouais, peut-être. Hein. Je vais débloquer les câbles à 50 000 watts. Donc à terme, on fera une pompe en acier, ce sera beaucoup plus stable. Là, au nord, c'est un petit peu juste. Alors pourquoi j'ai Waterlock? Il faut savoir que ça émet du gaz naturel. Notre ami le puits. Donc si on veut pas être bourré de gaz naturel dans le biome, ça peut être bien de faire Waterlock. Sachant qu'il y a des setups qui existent hein, pour éviter ça. Ouais, ça doit juste être un peu fixe. Hein. Là, je vous fais vraiment le setup basique. Alors, l'avantage, remarque, on pourrait avoir de la vapeur. Mais normalement, je devrais avoir que des gaz naturels dans le truc. Ouais, ça envoie un signal vers lui. Si, mais tu sais jamais, c'était une défaillance, Nomad. Croisons-nous une expérience. Ceinture et bretelles, c'est jamais assez sur le jeu. Et d'ailleurs, tu me fais penser que. Alors là, on a le choix filtre. Alors, low cost. Ah, low cost, a priori, ça devrait suffire. Alors là, je fais aussi un filtre parce que j'ai déjà eu le problème sur une autre partie. Vu que ça peut émettre de la vaveur quand ça surchauffe. C'est une normalo. Vous allez avoir un nuage de vapeur ici qui va se condenser. Et du coup, vous pouvez pomper de l'eau et ça vous foire votre fusée à pétrole. Ça va tranquille. Donc vraiment, ceinture et bretelles. À tous les niveaux. Ouais, normalement dans l'Apocalypse, mais j'ai déjà eu le cas. J'ai déjà noyé un puits, j'ai quand même eu de l'eau. En fait, c'est plus par rapport à sa surchauffe que t'as de l'eau ou pas.
Oui, non, mais là, en l'occurrence, Nomad, j'aurais que du. Je peux avoir que deux liquides, mais en effet, oui, ça pourrait être une. Ça pourrait être une possibilité, ouais. Mais oui, t'as raison, allez, vas-y. Poussons la logique à fond. Sauf que j'ai pas les porte-notes. Non, non, mais t'as pas tort. Hein. Remarque, il peut avoir quoi comme. Non, si, si, t'as pas tort. Hein. Comme ça, au moins, on est vraiment tranquille, quoi. Parce que tout setup, il foire à cause de ça, c'est con. Parce que je vais faire un gros truc de générateur. Je vais centraliser mon électricité ici. Et comme ça évite de mettre un transformateur électrique pour câbler ici. Là, je vais faire une grosse autoroute électrique ici. On aura 5 générateurs, on va produire 15 000 watts. Donc voilà, c'est plus simple. Pétrole brut. 8, c'est 1 kilo d'eau qu'il demande, hein, c'est ça? Parce que là, du coup, j'ai une idée pour refroidir l'eau, pour refroidir la machine. Mais c'est risqué parce que si ça stack. Normalement, ça ne devrait pas. Mais c'est risqué. Pourquoi j'ai un câble qui dépasse, hein? Non, pas ce soir, demain, là, je vais bientôt arrêter. Déjà que je fais du rab. L'évacuation, c'est un filtre, David. Oh, est-ce que je peux avoir de l'eau dans cette salle? D'ailleurs, le capteur, je dois peut-être le mettre plutôt là. Là ou là, même. Oh, mais c'est mon cuiseur habituel hein, que tu as déjà dû voir sur la chaîne. Ouais, histoire de justement de maintenir le puits dans le liquide. Ouais, justement, c'est ça. C'est pour ça que là aussi, on pourrait mettre un filtre. Mais ça, c'est un peu moins grave. Ah, mais j'ai déjà fait en live. Mais t'avais peut-être pas vu mes anciens let's play. J'en ai fait un sur ma base sans du piquant. Récemment. Alors, un bon petit waterlock, bien solide, il va l'être. Alors, on peut automatiser ça, hop. Ah, mais je fais n'importe quoi alors. Pas forcément besoin de blinder de tableau parce qu'ils vont pas rester longtemps. Le temps d'exposition est assez faible.
Donc ça sert à rien de plumer des trucs overkill. Non, non, c'est Aruko. Non, le vide ne bloque pas la pompe. C'est que c'est plus propre d'être sous vide dans le biome. T'as beaucoup moins de galère. T'as une meilleure maîtrise thermique. Je pense qu'on setupera déjà les trois puits. Parce qu'il y a toujours trois puits dans le biome. Ensuite, en parallèle, on fera tout le ménage. Le pétrole, je le stockerai en comprimé, je pense, en partie. Et voilà. Merde. Ah, faut que je fasse gaffe, j'ai de la vase là-haut. Hop, le CO2 dégage. Ça, vous verrez, on aura vraiment un biome. Pétrole bien propre. Ah ouais, mais ça, c'est ce bug, il est chiant. Mais justement, on va refaire propre. Enfin, pas tout de suite, mais à terme. Ah oui, bien vu. Ouais. C'est vide. Ça, on va le miner comme ça. Je vais garder ça en waterlock. On va le déglinguer là-haut. Salut, Suleiman. Trop oublié ce jeu. Bon, ça va encore. Alors, avec la base que je vous ai faite, vous avez 800 000 calories. Alors, qui est compétence? Mécatronique, on en aurait d'ailleurs ou pas? Ingénieur électrique, reine et Jean. Ah oui, c'est bon. C'est décidé à faire le câble. Et là, je crois que c'est un volcan que j'ai ici. Il faudrait que je renettoie un peu le waterlock aussi. Ce serait pas mal. On refera tout propre.
Oui, comme ça on a un biome tout, tout nickel là. Non, bah là je vais. Ah non, mais là on est pas sur l'extension. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fuite thermique. Sur le jeu de base, ça va, c'est classique. Ouais, je sais pas ce qu'il y a à me demander. Si j'y inonderai même pas plus ou. Je crois que j'ai déjà full inondé. Hein. Il finit toujours par chauffer. Et c'est là où je me tâte à faire un rayonnant. C'est un poil risqué, mais bon. Et là, on fait une valve à 1 kg. Comme ça, il n'y a pas de risque de casque en cas de changement d'état. Donc ça, ce sera mon eau. Est-ce qu'on a récupéré du diamant? Non, pas encore. Le soufre, ça sert pour les plantations. C'est très utile. À tel point que t'as le mot geyser à soufre. Bah tiens, en fait, bah si j'en ai une de fuite là. J'ai eu un bug de génération. Putain. Ah, c'est cool, Freddy. Tiens, d'ailleurs, cette eau du truc là. 76, ça va tenir. On va faire un waterlog juste avec du pétrole. Ouais, je vais patcher la bisalite, ouais. Ouais, j'ai beaucoup, hein. C'est une cuve, en fait. En plus, ça me fera un buffer pour lui.
Comme ça, ouais, en cas de défaillance de ma pompe, j'ai quand même des cuves qui peuvent livrer. Ah, mais là, je crois que ça va être plein d'eau, je suis débile. Faut que je déleste par là. Ça, on met 1 kilo seconde. Même. Est-ce que ça. Il y a de la latence. Ah, mais ça arrive de stacker. Ouais, ça s'arrête. Ça va stacker, ça va péter. Donc là, pareil, il me refaudrait. Presque un pont en fait. Ah, parce qu'on va stacker, ça va péter. Réfléchissons. C'est hyper risqué mon truc. Ou alors je fais la butée, ou simplement besoin de pont. Je mets juste un pont là. Là, pour le coup, on isolera. Et je dois faire repartir là-haut. Bonne soirée, David. Je vais pas tarder non plus. Je le fais partir là-haut. Tant pis. Voilà, comme ça, pas de blocage. J'ai jamais autant sécurisé, autant appuyé. Après, c'est pareil en termes de remplissage. Je pourrais presque mettre qu'un sensor. Bonne soirée, Néflit. Ouais, on pourrait couper la poire en deux.
Ouais. On peut s'amplifier sur les sensors. Abaisser lui d'un cran. Donc, tant qu'il n'y a pas de liquide là-haut, signal vert. En gros, l'inverse. Donc là, il n'y a pas de liquide là-haut. On ne pompe pas. Et par contre, on fait marcher la machine. Ouais, c'est ça. Comme ça, ce sera plus simple. Le style, on peut mettre des statues. Là, c'est ultra moche. C'est le câble qui nous fait prendre cher. Oui, c'est vrai qu'ils viennent assez souvent quand même. Blindé la salle là. Ok, c'est parti. Alors là, ouais, ça bloque à cause du pont, justement. Ah, les ponts, décidément.
Ouais, c'est risqué ce que je vais faire là. Très risqué. Ouais, non, on va éviter. Voilà, c'est ce que je voulais, que ça évite, que ça stack pas justement. Donc ça sort là, merde, putain. Ouais, il faut du jus pour le puits. J'aurais bien voulu faire le délestage. Bon, maintenant il faut que je purge. Là, si je casse les tuyaux, je me retrouve avec de l'eau dans le biome. Et ça, c'est l'enfer. Eh, tu sais, des fois quand ça se bloque, des fois c'est un peu merdique, hein. Alors ouais, là je voulais mettre un pont. On fait un petit câble, j'espère, un fois l'instant. C'est pas encore bon. Hein. Là, il me refaut d'autres ponts. Parce que j'ai notre trait blanche, c'est pour ça. Trop cher avec le câble. Ok, c'est parti. Comme c'est bien de relancer le puits comme ça.
Ouais, mais c'est plus par rapport à la vapeur en fait que je veux faire gaffe. Bon, alors on va arrêter cycle 280, c'est bien. Il a quand même vachement avancé. On nettoiera le reste du bio la prochaine fois. Les électros, c'est pile un flux tordu. Hein. Mais ça va, on bourrine bien sur l'oxygène. Ok. Donc voilà, merci à toutes, merci à tous d'être passés sur le live. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut.